Dieu oubliera pas de sitôt ce que ces fumiers ont fait ici, Monsieur Clay. Et moi non plus. Quoi ? Vous avez une mauvaise mine, Monsieur Duval. Je ne vous fais pas dire, je suis Rémi Duval. Bienvenue sur Enfants du Pays, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la charmante Madame Olivia Marcano. Bonjour tout le monde. Chers auditeurs, certains d'entre vous connaissent Madame Marcano pour ses œuvres de charité auprès des jeunes filles défavorisées de New Bordeaux. Je l'ai connue lorsque... Le nom de cet homme est Jesse. On était en train d'avoir une petite conversation à propos de Richie Doucet. Écoutez, moi j'ai fait que dalle, vous entendez? Je sais rien du tout. Je me promenais, je marchais dans la rue et elle m'a chopé comme t'es ça. T'es avec les Dixie, c'est ça? Non. Enfin si, mais... Merde. J'ai fait ça pour le fric, ok? J'ai rien de personnel contre vous. J'ai même pas de flingue sur moi. Où est Doucet? Il est au parc d'attractions abandonné, à l'ouest d'ici. On part en samedi. T'as une idée de ce qu'il fout là-bas? Il paraît que c'est parce que vous foutez la merde. Georgie est en train de péter un câble. Il veut que Richie crève. Alors Richie, il s'est barré avec ce qui restait d'héroïne, et ensuite, il a dit qu'il la jouerait discrète jusqu'à ce qu'il ait réglé ses comptes avec Georgie. Il a combien d'hommes avec lui? Putain, je sais pas, moi, tous ces hommes. Passe-moi ton couteau. Non, oh non, pitié, je vous ai rien fait du tout. Pitié, je vous en supplie, ma maman, ma pauvre maman. Dégage, allez. Il pourrait prévenir Doucet. Non, il fera de mal à personne. Laissons-le retourner chez sa mère. Si tu te trompes, il y aura un prix à payer. Fais pas ça! On peut régler ça autrement! Bon sang! Dégagez! Richie fera mieux de régler ses histoires avec Georgie. De toute façon, y a pas le choix. Sinon, on l'aura dans le cul pire que ta mère au bal de fin d'année. Ouais, ça c'est sûr. Bon, je ferai mieux d'y retourner avant que Bobby se remette à râler. Ok, fais gaffe à toi surtout. Quand on emmerde autant de nègres à la fois, faut s'attendre à un genre de réaction. Pour le coup, ça fait qu'un seul négro. Après tout le bordel qu'a semé Richie, c'est peut-être un coup de Georgie et ses gars. Rien à carrer que ce soit un négro ou une armée de Rital. Ce qui devrait t'inquiéter, c'est le fils de pute qui est en face de toi. Hé, je me casse. Fais-moi signe si tu vois quelque chose.
l'attraction du Baron Samedi. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, mettez vos soucis de côté et amusez-vous. Mais méfiez-vous. 9, engin. On ne sait jamais ce que ce vieux vislard on peut s'arranger, tu sais. Tout ce que t'as à faire. Sur la droite, c'est le carrousel. L'endroit rêvé pour rester à l'écart des ennuis. Si vous êtes plutôt du genre téméraire, allez défier les alligators les plus féroces de ce côté du bayou, sur le grand 8 du Crégigator. Mais attention, Crégigator, la viande bien foncée. Je m'amuse comme un fou. Vous allez ici. Et c'est le diable qui est là. C'est trop tard pour les regrets, con. Bouge-toi au-dessus de là, ou je te colline entre les deux yeux. À l'intérieur des cercueils, et tenez vos enfants à l'œil. Profitez bien du voyage. Enculé, on sait que t'es qui. Alors, asseyez-vous un moment et tendez l'oreille car mon histoire
c'est celle d'une créature tu infernale. Tu crois que je vais m'asseoir sur cette canne, comme ça? Dans un petit village de Nègre, ça risque de au fond du bayou, très loin de la civilisation. C'était là que les esclaves antiques se réfugiaient. Quelque chose d'autre vivait ici. Une créature du mal qui guettait dans l'ombre. Français se rouillaient de leur façon de vivre, mais à cette époque, les Nègres vivaient dans la paume du Seigneur. Et nombreux sur ce qu'il sauva, il a et bientôt, ils renouaient avec les traditions de leurs ancêtres d'Afrique. Et un de leurs anciens, un certain Papa Virgile, les réconcilia avec une ancienne magie indique, le faune. Et c'est alors que Papa Virgile a choisi un autre baron. On a défendu un autre. La créature des ténèbres dit alors que son heure était venue. Les hommes et les femmes et même les enfants se mirent à disparaître. Le grand héros s'empara des gens. Et dans tout le village, un nom retentissait. Rougarou. Le Rougarou, un homme bête, recouvert de fourrure, la gueule hérissée de gros tranchants comme des rasoirs. Réfléchis un peu, merde. Tu crois que tu peux venir comme ça et voler mon héroïne sans te faire remarquer? Je suis pas là pour ton héroïne, Richie. Je suis là pour te faire payer ce que t'as fait à Sammy et Ellis Robinson. J'ai absolument rien à voir là-dedans. Je t'ai vu planter Ellis dans le ventre. Je pouvais rien faire à ce moment-là, mais maintenant je vais pas me priver. Putain de merde! C'était pas mon idée, t'entends? C'était Georgie, juste lui et son père. C'est eux qui voulaient vous buter, pas moi. Ah! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, leur dire non? Soit ça, soit ta souris, j'étais mort. Ah non, non, non! Non, pitié! Attends, écoute, je... Laisse-moi au moins faire une dernière prière avant de me tuer. Tu prieras en montant. J'ai vu que Richie Doucet avait été pendu à la grande roue, je suis resté complètement incrédule. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Les mafieux passent leur temps à s'entretuer, mais il s'agit en général de petits accrocs ponctuels. Un Rital mange des spaghettis ou boulettes de viande dans son restaurant préféré et se prend une balle dans la tête. Mais là, c'était autre chose. Avant même de savoir qui l'avait refroidi, je savais que Richie était là pour l'exemple. Lincoln avait été formé à la guerre psychologique par la CIA. Il voulait faire peur à la pègre, leur faire savoir qu'il les tuerait les uns après les autres, et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter.
Doucet est mort. Delray est à toi. Il paraît que tu l'as pendu à la grande roue. Il a buté Ellis. Il a chié sur tous les habitants de ce quartier. Doucet a eu ce qu'il méritait. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Ça marche dans les deux sens, tu sais. Je croyais que tu disais que c'était du passé. Mes hommes ont du mal à admettre qu'on obéisse aux ordres du même type qui a tué Baka et qui a éliminé la moitié d'entre nous. Ouais, ben à leur place, je m'en remettrai. On n'a pas le temps de s'amuser à les consoler. Bien sûr, mais les gestes ont un poids. Et si tu aides mon associé Emmanuel, c'est un geste qui pourrait beaucoup contribuer à calmer les choses. Il a besoin de quoi ? Il chapeaute mon commerce de ganja près du hangar à bateaux. Aide-le, et je veillerai à ce que tu touches une part des bénéfices. Qu'on soit bien clair, je veux une part de tout. Pas juste les bénéfices de la gamme. Ça va coûter du blé de faire tomber Marcano. T'inquiète pas. Tu auras ton fric, j'en fais mon affaire. Léloas t'accueille, tout comme moi. A éclaté à l'ancien parc d'attractions du Baron Sandy. Les autorités n'ont pas encore communiqué leur rapport officiel, mais les victimes seraient nombreuses selon les sources. Un témoin affirme avoir vu un homme pendu à la grande roue, ce que la police n'a pour l'heure ni confirmé ni infirmé. Le parc d'attractions est fermé depuis plusieurs années et a déjà été l'objet de controverses, étant considéré par les pouvoirs de défense des droits civiques comme une provocation. Putain ! Un problème ? Cette foutue machine se coince à tout bout de champ. Si t'es prêt à mater les autres briefings, on peut commencer. Montre-moi qui d'autre t'as réussi à voir. Ça marche. Deux des plus gros enfoirés de cette ville. Ah oui ! Le petit favori de Pointe-Verdun, Thomas Burke. Comment il gère depuis Danny ? Il y a environ 9 semaines, Burke débarque chez Roman le boucher Barbieri, tu vois. Sous comme un polonais, en agitant un flingue. Et là, il se met à tirer 10 coups, l'enfoiré. Mais le seul truc qu'il arrive à toucher, c'est un putain de jarret de porc qui pendait. Les gars du boucher l'ont tabassé et jeté dans une benne à ordures. Barbieri, c'est celui qui a pris Pointe-Verdun, c'est ça? C'est lui qui a pété la jambe de Burke. Ouais, et c'est pour ça que Burke voulait participer au casse. Il pensait pouvoir arranger les choses avec ça, les récupérer Pointe-Verdun. Ça a toujours été une putain d'enflure. Ouais, comme tous ces cons d'Irlandais. Mais ils détestent Marcano au moins autant que toi. Ouais, ok. Je peux au moins donner au père de Danny l'occasion de se venger. Oh, bordel. Il a passé son temps à boire dans un tripot de Pointe-Verdun. Ça s'appelle le Duffy's. Ça devrait pas être dur à trouver. Putain, j'espère que ça vaut le coup. Monsieur Vito Scaletta en personne. Attends, tu te fous de moi ? Les derniers mois ont été assez durs pour ce vieux Vito. Ça l'a jamais pu l'encadrer. Il pense que c'est une taupe de la commission, mais il a rien pu y faire parce que Vito est affranchi. Après le casse, Sal a refusé de donner à Vito sa part. Et il lui a mis des bâtons dans les roues.
Il essaie d'empêcher Vito de rembourser ses dettes. Et si Scaletta peut pas rembourser, la commission autorisera Marcano à lui tomber dessus. Si Vito est pas en train de pourrir six pieds sous terre, c'est uniquement grâce à ses quelques affaires confidentielles. Il utilise cet argent pour payer Sal. Scaletta est tenace. Faut bien le reconnaître. Il aura duré plus longtemps que ce que je pensais, mais l'heure tourne. Il y a quelques semaines, Sal a envoyé son neveu, un gamin appelé Michael Greco, pour aider Vito à gérer River Row. Ce comte Greco a demandé à ses gars de limiter le champ d'action de Vito. Une fois qu'il aura un contrôle total sur Vito, il pourra agir. On doit dire à Scaletta ce que Greco prépare. Je vais lui rendre visite, histoire de voir si je peux profiter de la situation pour ramener Scaletta de mon côté. Ouais, je suis sûr qu'il sera très touché. Oh, fais gaffe avec mes fichiers. Il y a tout un système de classement. Salvador, 2000 étudiants en collège ont envahi les rues pour protester contre le président Johnson. Les étudiants espéraient perturber ainsi la réunion au sommet entre Johnson et cinq présidents d'Amérique centrale. Les étudiants ont chanté « Viva Viet Cong » et ont brûlé une effigie de l'oncle Sam. Sur ce qui se passe. À ton avis, Vito s'en prend plein la gueule. J'aimerais que Greco nous laisse achever ce pauvre con au plus vite. Bah, Greco veut montrer que c'est un dur et casser la gueule au vieux Vito pour se faire respecter. Il suffisait pour ça de tabasser un tocard opportuniste. Je me mets à couvert. Je le vois, là-bas. Comme des putains de mouches. Plus bouger. Les gars, ce petit fumier se prend pour un dur. Pas à couvert. Je suis coincé. J'ai besoin d'aide. C'est l'autre connard. J'en ai repéré un, les gars. Ouh, ça doit faire. Dans le temps de tir. Ça va comme des mouches. Et de me buter.
l'ai perdu, merde. Cette petite fille de Greco veut me faire buter, hein. Dis plus de venir le faire lui-même. Laissez-moi sortir, bande de suite. On dirait que j'arrive juste à temps, Vito. Lincoln, comment c'est possible? Je te croyais mort. Mon crâne a dévié la patte. Elle est ressortie. T'as une putain de chance. Mauvaise idée, le front pour tirer sur quelqu'un. Le crâne est plus dur qu'on pense. Bien. Faut qu'on parle. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, je suis allé voir Marcano et je lui ai demandé ma part. Je me suis dit qu'après toi et Samy, je serai le prochain. Je suppose qu'il l'a pas vraiment voulu. Il disait qu'il voulait attendre que les choses se tassent. Il voulait pas que je commence à tout dépenser comme un con, à me faire remarquer. Comme si j'étais un putain d'amateur qui avait jamais tâté du fric. Cet argent que j'avais avancé pour le casse, c'était toutes mes économies. J'avais pas assez pour me barrer, donc... Je suis resté. La commission l'aurait pas laissé me buter, alors je me suis dit que j'allais le pousser à bout, ce connard. Le forcer à prouver que je méritais d'être écarté. C'était déjà ça de prix. Il paraît qu'il a engagé son neveu pour s'occuper de ton cas. Le gamin nommé Michael Greco. Neveu par alliance, pas de lien de sang. Ils ont pas fait les choses à moitié. Ouais. Ils voulaient voir quels autres trafics je pouvais gérer. Comme si j'allais laisser une putain de trace écrite dans mon bureau. Oh, t'occupe pas de ces conneries. Écoute, c'est sympa de m'avoir sorti de ce frigo et tout, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Marcano mérite de payer pour ce qu'il a fait. Je vais le traquer. Lui, ses frères, ses hommes de main, tout le monde. Et je vais avoir besoin de ton aide. Je vais te dire... Il a fait de moi une sous-merde. Le mal est fait. Pour le moment, une fois que j'aurai repris River Road des mains de Greco, le fric viendra avec, et ça va changer la donne. Parce que maintenant, on est associés. Du moment que tu fais ce que je te dis et que tu me donnes ce que je veux quand je veux. Alors au revoir Marcano, bonjour Lincoln Clay. C'est soit l'un, soit l'autre. Et la prochaine fois, compte pas sur moi pour sortir ton cul du frigo. Si quelqu'un doit tuer cette ordure, c'est moi. Amène-moi Greco. Et je marche. Parle-moi de ces trafics. Il contrôle la zone des quais et il a un entrepôt. Il y a de quoi se faire un max là-dedans. Tu lui retires ça, Greco est fini. Quelques-uns de mes gars gardent un œil sur lui. Va les voir, ils t'aideront. Ça marche. Vito m'a dit que vous pourriez m'aider à mettre mon pognon en lieu sûr. Mais bien sûr, mon beau. Les amis de Vito sont mes amis. Vous pourrez me ravitailler à Rivero? Je suis en route. Je veux m'occuper de quelque chose qui t'intéresse, ça. Je vais directement à la banque. Fais-moi voir ce que t'as. Petit. Terminé, je me taille. La gueule cool et donc c'est délicat.
le gars commence à me raconter que le FBI a recruté des frères. Vito dit qu'on peut te faire confiance. Vito a dit que tu m'attendrais. T'as mis le temps. Je m'appelle Jock Blanchard. D'après Vito, tu pourrais renverser la vapeur et remettre nos gars au boulot. Possible. Ça dépend de tes informations. Avant, je payais un homme de Vito, Andy Toretto, pour l'activité syndicale. Mais ce connard de Gréco l'a poussé à demander toujours plus. Si on paye pas, on n'a pas de permis. Et ce pauvre con doit même faire appel au gros bras de Gréco pour la collecte. Ça a l'air d'être une belle enflure, ce Gréco. T'as pas aidé, mec. Et par-dessus tout, Andy garde les permis sous clé. S'il leur arrive quelque chose, ben y aura plus de boulot par ici. Je vais voir ce que je peux tirer des hommes de Toretto. Toretto mène tranquillement sa barque, mais tu devrais pouvoir faire parler certains de ses hommes. Excusez-moi. Va falloir attendre votre tour, bande d'enfoirés. Ils battent pourquoi ? Je crois qu'on a des emmerdes. Cours, cours ! Quelqu'un veut se battre, les gars. Trouvez ! Venez ! T'es mort, gamin. Mortel. Ce connard m'a piégé. Je lance un cocktail. Je recharge. Merde! J'ai rencontré avec un Cuba et je comprends rien, c'est du Paraguine! T'imagines? Tu remplis ce que je te dis de remplir. Je te le redirai pas. C'est ta légitime défense. Oh mon Dieu! Courez! Pas aussi facilement.
casse-toi. T'es armé ? Elle, pas moi. Je sais où t'es parti. T'as enfin capté le message, hein. Courez ! Glisse-toi derrière lui ! Je vais l'arroser de ce que... Nouvelle de merde. C'est passé quoi, une... C'est qui, là ? Qui tu crois que tu fais chier ? L'autre gars à terre. J'espère qu'il y aura quelque chose pour moi aujourd'hui. Là-bas, tire-lui dessus, putain de merde. On sonne comme des putains de mouches. Oh merde. Ici. Je me fous à couvert. Je me fous faire le cul. J'allume ce fumier. Merde, je suis bloqué ici. Bordel de merde, je peux plus... Et a l'air perdu. J'ai entendu un bruit par là. Vous deux là ! Dégagez de la rue, je vais quand tirer des feux. Il est là. Hé, hé, par ici ! À toutes les unités, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. J'imagine qu'on va pas se prendre une bière après. Courez, courez! Franco sur la gâchette. Allez, viens.
tout a réussi à faire pour ralentir la main-d'œuvre au syndicat des docks, c'est bizarre que Toretto soit pas personnellement à ta recherche. Il paraît qu'Andy Toretto est au syndicat des docks, il cherche à savoir qui a empêché ses hommes de récupérer son pognon. Tu crois qu'il a dit à Gréco ce qui s'est passé ? Non, connaissant Andy, il préférerait enterrer Gréco à côté de toi s'il pouvait. Mais c'est un battant, et s'il a un boulot à faire, il va y mettre tout son cœur. La situation s'annonce mal. Et ça ne fait que commencer. Dis aux hommes qu'ils auront bientôt du boulot, Jock. Toretto est suffisamment dans la merde pour être obligé de revenir au syndicat des docks. Faut l'en débarrasser. Parti par là, c'est sûr. Tu fous. Je sais que j'ai entendu quelque chose. Ce prétentieux de mes deux. Prouvez. Venez. J'en ai repéré un, les gars. Tu vas crever. Comment il a pu filer? Il est là! Occupez-vous-en! Chopez-le tant qu'il ressort! C'est quoi que tu veux enculer ta mère? Deux billets. Si c'est pas toi qui me dérouille, c'est Gréco qui va s'y coller! Ben. Comme Gréco n'est pas là. Le syndicat des docks est sous contrôle. Mets des hommes à toi sur le coup. Je suis...
suis sûr qu'aujourd'hui, le dossier de Vito doit faire un mètre d'épaisseur, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vu qu'Hoover n'a pas reconnu l'existence de la mafia avant 57, on n'avait aucun dossier sérieux sur des types comme Vittorio Scaletta jusqu'à cette date et même après. On sait maintenant qu'il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a passé 6 ans en prison pour vol et distribution illégale de rations fédérales. On pense généralement qu'il était membre de la famille Falcone et Empire Bay, mais on le soupçonne aussi d'avoir assassiné Don Carlo Falcone. Si c'est le cas, Vito a dû se faire des amis en haut lieu parce qu'il a eu le droit de rester en vie. Il s'est tout de même exilé et a dû se replier dans le sud. La commission a convaincu Sal Marcano de prendre Vito comme lieutenant et de lui confier des trafics. Témoins affirment que Hollis Dupré a été impliqué dans une altercation avec Lamont Harris, 24 ans, et Trey McCall, 25 ans, au terme de laquelle les deux garçons ont été tués. La police a libéré M. Dupré sur engagement, celui-ci ayant déclaré avoir agi en état de légitime défense quand les deux victimes ont pénétré dans sa propriété. D'après les témoins, les deux hommes récemment revenus du Vietnam cherchaient de l'aide pour un pneu crevé. M'envoie. C'est toi, Connie ? Ouais, Connie DeMarco. Je surveillais la contrebande pour Vito. C'est Roy Thibodeau qui s'en occupe maintenant. Et c'est un merdier pas possible. Pourquoi Greco l'a pas encore buté ? Ah, il buterait Roy avec plaisir, s'il pouvait. C'est pas Greco qui a choisi Roy. Et ça en fait une cible, directe. Mais Roy essaie de vendre les trucs habituels en provenance de Cuba. Surtout des cigares et du rhum. Il paraîtrait même qu'ils vendent des médicaments aux Cubains. On dirait que Greco galère. J'imagine que Greco se disait que son oncle Sal lui lâcherait la grappe, mais non. Alors il presse tout le monde, Roy y compris. Si les affaires s'arrangent pas, Roy va devoir intervenir et s'en occuper lui-même. C'est vrai qu'il a des hommes un peu partout. Il va falloir que je sois persuasif, mais je les ferai parler. T'as mis la main sur les hommes de Roy ? Parce qu'ils parleront à condition de poser les bonnes questions. D'une équipe de foot professionnelle. Et c'est urgent. Chers auditeurs, notre ville a besoin d'entendre les clameurs de la foule le dimanche, l'odeur des hot dogs. New Bordeaux a absolument besoin qu'on dépense de l'argent pour construire un stade flambant neuf pour lequel notre ville paiera de sa poche, bien évidemment. Avec tout le trafic et les embouteillages qui vont avec, bien sûr. Mec. Je tire. J'ai un croco que je lance dans...
Quand vous entendez le mot jeu d'argent, vous imaginez tout de suite les ruelles sombres ou les rades miteux de Las Vegas. Rendez-vous ici tout de suite. Homme noir armé, signalé à Rimoro. Essayez d'aller jeter un œil. Et si nous pouvions nous offrir un Monte Carlo comme la Mississippi? Des jeux légalisés ici même à New Bordeaux qui amèneraient du monde dans ce joyau du Sud. Et... C'est quoi ton problème? Je peux à peine respirer. Merde! Juste devant moi. Marina veut voir ce petit bijou. Je reste. On parle pas de la famille en jouant, tu veux? Faites pas attention à lui. Vous pouvez tous venir pour le week-end. On sera ravis de vous accueillir. Une putain de grenade! On est repéré un, les gars! Là. Je vais t'encoller une colère. Allô? Oui, il nous faut de l'aide. Je vous signale un vol de voiture à Riverwood. Si vous avez du temps libre, prenez le temps d'aller vérifier ce qui se passe.
Personne t'a suivi? Roy est secoué. Il a peur de Greco. Il est terrifié par toi. Il paraît qu'il dort à l'entrepôt maintenant. C'est le seul endroit où il se sent en sécurité. Tant mieux. Ce sera plus facile de lui mettre le grappin dessus. Une fois qu'on s'en sera occupé, on lance l'assaut. Vito va faire ce qu'il faut. Tu verras. Ce pauvre con de Roy est de retour à l'entrepôt. Fais ce qu'il faut. À toutes les unités, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. La cote sur Greco se débarrassant de Monsieur Thibido. Un truc énorme si on continue à perdre de l'argent et de la marchandise. Roy, hein? Je tiens. Salut. Charge. Je vais t'ouvrir en deux, fils de. Je peux plus bouger. Je dois pas rester. On en a perdu un autre. Je l'ai en vue. J'ai nulle part où aller. C'est moi que viens te frotter à moi pour voir. T'as demandé au nez de toute façon. J'ai besoin de tes hommes pour gérer l'opération de contrebande à l'entrepôt. Je les envoie. Et Lincoln, c'est pas parce que Greco est un connard que c'est une fiotte. Il enverra sûrement certains de ses gars pour essayer de te descendre, alors surveille tes arrières. Mets la main sur Greco et démolis-lui la gueule tant que tu veux. Mais je le tue pas. Il est pour moi. Je faisais partie du 3e peloton Compagnie C, dans le 614e bataillon de chasseurs de chars pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais une formation de médecin. Mais j'étais armé. Tous les hommes de la compagnie étaient noirs. L'armée ne savait pas quoi faire de nous, mais ils ne voulaient pas que nous combattions aux côtés des Blancs. Climbar. Climbar était une petite ville française près de la frontière allemande. Nous avions reçu l'ordre de nous en emparer. Les Boches se sont emparés de 3 des 4 armes anti-chars en notre possession. Mais il était hors de question de les laisser prendre le dessus. On était déterminés à leur montrer qu'on était aussi bon, sinon meilleur, que tous les autres soldats en service. Je n'aime pas parler des médailles que j'ai reçues. On survit à ce genre d'événement que par la grâce de Dieu. Je trouve ça déplacé de
célébrer ça avec un petit morceau de métal. Personne n'est au courant à part vous et John Donovan. Non pas que j'ai tenu ça secret, vous pensez bien. Simplement, personne n'est jamais venu me demander quoi que ce soit.